Hi guys, what's up? Du coup, j'ai pris ma petite valise et... On n'est pas chez moi, by the way. On est chez Camélia. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a passé une soirée entre copines. On est vendredi 1er octobre. Et on part en Grèce. Yes, bitch, we're going to Greece. I love everybody because I love you. When you stood up, walked away barefoot, and the grass where you lay left a bed in your shape, I looked over it and I ached. I love everybody because I love you. I don't need the city and I don't need proof. All I need, darling, is a life in your shape. I picture it soft and I ache. Look at you, strawberry blonde. Fini par trouver le ferry, il est là, il est immense, oh my god, I can't even, il est vraiment immense, je sais pas pourquoi je regarde la caméra là, je dois vous regarder là, t'es là, bref, du coup j'ai encore 3 heures à tuer, donc je vais partir me poser dans un petit café manger parce que j'ai grave mal au cœur, j'ai grave envie de vomir, tu sais quand t'as tellement pas mangé que t'as mal au cœur. Donc c'est ça, donc vas-y, on va partir se poser un peu. Il est stylé le bateau quand même, hein. Ouais, il est stylé. I like, attends, je montre. Reach out the car window, trying to hold the wind. You tell me you love her, I give you a grin. Oh, all I ever wanted was a life in your shape. So I follow the white lines, keep my eyes on the road as I ache. Look at you, strawberry blonde, fields rolling on. I love it when you call my name. Can you hear the bumblebees swarm watching your arm? I love it when you look my way. Look at you, strawberry blonde, fields rolling on. I love it when you call my name. Can you hear the bumblebees swarm watching your arm? I love it when you look my way. Look at you, strawberry blonde, fields
Du coup, on est arrivé sur la terre ferme. Je prends une minute pour respirer, me reprendre mes esprits parce que j'ai le mal de mer. Oh my god! Et là, je faut que je trouve où louer une voiture. Il fait tellement bon, les gars! Oh my god, on est assez flou! Il y avait des gens qui étaient en train de filmer un truc, je sais pas si c'est un film. Bref, ils parlaient grec, j'ai rien compris. Si vous voyez passer sur un truc grec, dites-le moi. Parce que j'étais juste à côté, j'étais dans l'écran avec eux. It's automatic. Automatic, yes. Okay. Can you guys do like a good price? Because I'm having like 8 days. So how much is it gonna be like the total? 3 plus 8, 240. Can we do 200 maybe? 240 is. 200 is. Yeah. I'll see maybe. I'll ask him if we can do it. Okay, thank you. Du coup, il m'a dit que c'était ok, que je pouvais louer la voiture vu que sur mon permis c'est écrit en latin. Enfin, c'est des lettres. Donc ça passera, ça posera pas de problème. Donc là, je vais avancer. Apparemment, il y a. Alors là où il y a les voitures, c'est un peu plus loin. Donc je vais y avancer. Mais regarde-moi cette vue. Attends. Oh my god. Ok, kiri kiri. The island is big as Milos? A little smaller. Ah, smaller. Give me your passport and we are ready. Yes. Passenger. Sorry. It's okay. I'm sorry. It's okay, no worries. Bon, c'est en train de décharger. La caméra peut se décharger n'importe quel moment, donc je vous dis à tout à l'heure. Récupérer la voiture, c'est une petite Skoda. J'ai pas où charger mon téléphone, ce qui est super cool. Mais bon, j'en ai pour 20 minutes de trajet en voiture pour arriver à Vati. C'est la ville où j'ai pris mon hôtel. Seulement à d'y arriver, de me changer, de prendre une douche et faire mes prières, parce que j'ai toutes les prières de la journée. Et manger, oh my god, parce que là, tout ce que j'ai mangé, c'est le petit déj. Et je vais conduire une automatique, ça fait longtemps que j'ai pas conduit une automatique. Oh my god. Oh my god. Oh, kiri kiri ka. Ok, let's go. Good morning guys, what's up? Alors, regarde ma voix, je suis en train de perdre ma voix. Du coup, en effet, ma caméra s'est éteinte hier, j'avais plus de batterie. Juste pour vous résumer, je suis arrivée, j'ai déposé mes affaires, j'ai fait mes prières et tout, je suis direct partie manger. J'avais tellement faim. Je faisais tellement. Je vais vous montrer la chambre vite fait. Bon, elle est un peu en désordre parce que j'ai dormi dedans. Hier, j'ai pu ranger mes affaires aussi. Tu sais, j'ai tout mis. Petite chemise. J'ai direct posé mes histoires. Et là, c'est les toilettes. Et là, c'est ma petite vue qui donne directement sur la plage. Enfin, sur la mer directement. Parce qu'en fait, genre, il n'y a même pas de trottoir. C'est genre, tu sors, il y a directement du sable. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Il est, je crois, 9h30 heure grecque, donc 8h30 heure française.
7h30, heure marocaine. C'est la meuf qui te fait. J'ai rien prévu pour la journée. Je sais pas ce que je vais faire. Bah, je vais commencer déjà par... je sais pas par quoi. Je sais pas par quoi. J'ai bugué. Je vais prendre le petit déj quelque part à côté parce que j'ai vu il y a pas mal de petits restos hyper sympas, hyper cute juste à côté. Vas-y, on va voir ça ensemble. Allez, bisous à toutes. It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting, it was synced up breathing. There were angels calling and more free falling than I believed in. Yeah, memories like freight trains hit me. I replay to keep you with me. Better to have had than not at all. We were chasing stars across the county lines, two imperfect pieces with our fingers intertwined. And I would do it all again, knowing I'd be left behind. Oh, oh, what a time. Back when you were mine. Je crois que aujourd'hui je vais pas bouger de l'île, enfin de la du village Vati. Moi je suis là dans, du coup je suis dans un village qui s'appelle Vati, by the way. J'espère que je le prononce correctement. Et j'ai, je crois que j'ai pas bougé la voiture, peut-être le soir, mais là pour l'instant j'ai juste envie de rester sur la petite terrasse, marcher un peu sur la plage. Voilà. Je suis en train de dévorer cette histoire, c'est pas possible. Ça s'appelle La Rose et le Loup de Brenda Joyce. Trop bien. Ils ont fait la chambre. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire? J'ai rien. Ah si, je dois monter la vidéo de YouTube pour demain parce qu'on est samedi. Est-ce que je le fais là et je me finis et comme ça je reste tranquille? Ou est-ce que je le fais ce soir? Je sais pas. C'est juste tellement... En fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien voyager seule. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire viens, on va sortir, ou on va faire ci, on va faire ça. Si t'as pas envie de faire un truc, tu le fais pas. Si t'as envie de faire un truc, tu le fais. Genre là par exemple, je suis restée assise dans le café pendant 2 heures à lire, à jouer avec les chats, à parler avec des locaux. C'était cool, tu vois. Il n'y avait pas de non, vas-y, viens, on va découvrir la ville. Je vais le faire, mais je sais pas maintenant. It's nice. Ouais, mes cils, on l'adore. Je les ai fait apparaître avant de venir. J'ai fait juste un recourbement de cils chez Johanna. C'est Eyelash Paris. Trop stylé, regarde-moi ces cils. Comment c'est. J'ai décidé finalement, ça m'a pris un peu de temps, mais bon, j'ai décidé. Je sais pas où t'es. Ah non, non. Je vais me poser juste là avec mon petit café, thé plutôt, et mes petits biscuits qui sont quelque part par là que. La gérance m'a passé et je vais finir mon travail. Je me suis dit vas-y, finis tout le travail que tu as, comme ça après je pourrais vraiment me reposer bien comme il faut, parce que voilà, j'aime pas garder en tête, enfin je pourrais pas profiter pleinement en sachant que j'ai un truc qui va venir après, qui me suit, tu sais quoi. Je sais pas si t'as compris. Ouais, je suis en maillot parce que je suis partie nager. J'ai pas encore fini le montage, mais en fait j'ai vu qu'il y avait du soleil qui était sorti et I was like fuck it, I need to swim. Du coup je suis partie, j'ai nagé, j'ai marché un peu. Je voulais pas prendre ni téléphone ni caméra, je voulais juste you know, enjoy the moment. Mais t'inquiète, on va refaire ça un autre jour, demain peut-être même.
viens de finir le vlog. Je suis contente, il est 20h heure locale. Non, si, 20h heure locale. Donc je vais sortir dîner. Même pas envie de me changer, je vais mettre la même chose que j'ai mis hier soir. Parce qu'en fait il y a du vent, donc il fait un peu frais. Et c'est le seul truc chaud que j'ai. J'aime bien mes cheveux, comment ils sont. Ça fait très... J'ai pas encore pris de douche parce que je me suis dit laisse tomber, je prendrai la douche avant, juste avant de dormir comme ça. Je me réchauffe bien et je me mets dans mon lit, je dors. Allez vas-y, on va partir manger. Good morning guys, what's up? Je viens de me réveiller, il est à peu près 9h du mat. En fait je me suis dit aujourd'hui j'ai envie de partir découvrir un peu l'île. Je vais prendre aussi mon petit déjeuner quelque part. Je vais prendre la voiture et juste rouler. On va voir si je trouve des trucs sympas, je vais m'arrêter sinon voilà. Et en fait je me disais, je vais aussi prendre mettre mon maillot direct. Comme ça we can swim si je trouve une petite crique sympa. Je sens qu'il va faire beau aujourd'hui, il y a déjà du soleil. J'ai pensé à ce petit maillot là. Trop beau, non? C'est un banana mousse aussi. Je sais que tous les maillots que j'ai pris avec moi, c'est des banana mousse. Parce que c'était trop la vibe que j'aime. Donc, je me suis dit, celui-là, c'est un banana mousse teens. C'est genre... trop beau. Bon, vas-y, je vais j'ai trouvé un petit parking gratuit, c'est trop beau. Donc j'ai laissé ma voiture là, j'ai pris mon eau, petit sac, bouquin, et on part chercher un endroit où prendre le petit déj, parce que j'ai pas encore pris de petit déj. Donc voilà, j'ai posé la voiture, on va marcher un peu, c'est tellement beau. En plus les gars, si vous avez jamais fait la Grèce en octobre, c'est à faire, je vous dis. Am I to la crise cardiaque? I'm very close. Je suis en train de conduire dans un dans une montagne qui il y a pas le tu sais, les bref à côté de moi il y a rien, genre de ce côté il y a rien, il y a des rochers, il y a la mer. But I don't wanna die, you know. En plus je me souviens que le mec qui m'a loué la voiture, il m'a dit il y a des endroits faut pas aller en voiture. I think this one was one of them. Je vais déposer la voiture là. Non, I'm gonna put the... on va finir à pied hein, parce que c'est un chemin qui... il n'y a qu'une seule personne qui peut passer. On ne peut pas être deux à passer, tu vois ou pas? Ok. Reverse. Reversed. Oh, bitch. Vas-y, je m'arrête là. Oh, fuck. Okay. We did it. I think. On est très loin encore de la plage.
coup les gars, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai envie d'aller me baigner. Je vous explique ce qui s'est passé. Je suis descendue, enfin je me suis arrêtée là où je vous ai dit, juste à côté de church. Et en fait j'ai rencontré Marie. Voilà, je vous présente Marie. Au début on a parlé en anglais. Parce qu'on savait pas qu'on parlait. Elle est française by the way. Tu l'as. Mais j'y ai trop cru. Je crois que t'étais grec et que tu parlais anglais. C'est vrai, t'as vu que t'étais grec? Mais oui. Et du coup elle m'a dit qu'en fait on pouvait pas se baigner parce qu'il y avait trop de vent et la marée elle était haute. J'ai fait ça. Pour pas te déranger. Ah non, t'inquiète. Et du coup là... On est sur un parking de bus. Exactement. Qui nous a klaxonné dessus. J'ai failli mourir. Et du coup là on va chercher où nager. Et donc j'ai proposé à Marie de la déposer vu qu'elle était à pied. Enfin elle était vraiment... Bravo déjà d'avoir fait le trajet à pied. Jamais j'aurais pu. Du coup j'ai déposé Marie juste dans son village parce qu'il fallait qu'elle retrouve sa copine Kat. Et moi je cherche encore où nager. Possible qu'on se revoie demain pour faire un peu de la randonnée. Ils ont prévu de la randonnée donc il se peut que je me joigne à eux. Why not? De toute façon j'avais rien de programmé donc c'est cool. C'est cool quand tu voyages tout seul, tu fais des rencontres et tout. Mais là du coup je sais toujours pas où nager. Where are we gonna go? For a swim dude? Vas-y, je vais chercher, je vais trouver un truc. J'ai fini de manger et là je vais récupérer la voiture et partir à repartir à l'hôtel. C'est, du coup c'est un autre village, Vati. Et j'ai un peu peur parce que j'ai pas encore conduit sur cette île de nuit. Et les routes elles sont assez voilà, spéciales. Mais je crois que ça va bien se passer, je vais mettre un peu de musique et puis voilà. J'ai hâte de revenir. J'aime bien le village où je suis. Là, plus je vois les autres villages, ils sont tous super beaux. Mais je crois que mon préféré, c'est là où je suis, c'est Vati. Je vous mettrai tous les détails, l'hôtel et tout, dans la bio, juste en bas. Je viens de m'arrêter pour demander à la gérante d'un resto, parce qu'en fait, la route que ça m'a donnée sur le GPS, c'était fallait partir de ce côté-là, et en fait, c'est une route fermée. Tu peux juste marcher, il n'y a pas de passage voiture. Donc je me suis arrêtée pour parler à une femme, la gérante d'un resto, et en fait elle m'a expliqué que j'en avais pour au moins 25 minutes de route, et en fait c'est que c'était la montagne d'à côté, donc il fallait remonter jusqu'à Apollonia et après reprendre le trajet. On va le faire, je vais mettre ma petite playlist à bas, and bitch we're gonna do it, cause if you don't, who will? Nobody. Je suis à ça de prendre un hôtel et de passer la nuit ici. Hein. Non mais j'ai, vas-y. We can do it. We can do it. Yeah, we can. Yes, we can. Bon, vas-y, à tout à l'heure. Je vous fais un récap, soit quand on arrive, soit en trajet quand je serai en mode PLS. Donc les gars, on est arrivés. J'ai failli me faire pipi dessus.
C'était pas facile, c'était vraiment pas facile. Surtout que quand je me suis rendu compte que mes lumières, elles étaient même pas allumées. J'ai essayé de les allumer et ça voulait pas. Du coup, j'ai collé une voiture, genre pour qu'elle me fasse un peu de lumière. Et je mettais le phare et puis voilà. Et puis on a réussi. Hi Kélika, what's up? Et puis voilà, on a réussi, je viens d'arriver. Il est que 20h30. Je vais rentrer prendre une bonne douche chaude. Je crois pas que je vais me laver les cheveux parce que demain encore je vais nager, donc ça sert à rien de les laver et relaver à chaque fois. Et je vais mettre au lit et je vais essayer d'arrêter de lire mon histoire là tout de suite. Parce qu'elle est tellement bien que si j'arrête pas là, si je me force pas à arrêter genre là tout de suite, j'arrêterai pas. Tu vois ou pas? Genre vraiment, je pourrais pas arrêter. Donc je vais garder ça pour demain. Et je vais envoyer un petit message du coup à Marie que j'ai rencontré tout à l'heure parce qu'ils vont partir faire de la randonnée et elle m'avait proposé de partir avec eux, donc je vais voir s'ils font toujours ça et si oui c'est quoi les trucs et tout. J'arrive plus à parler les gars, bref vas-y je vais dormir et on se dit à demain et j'espère que j'ai essayé de me réveiller assez tôt pour profiter bien de la journée et puis voilà. Je fais de gros bisous, je vous dis à demain les copains, à demain. Ça va zoomer dans 3. J'adore ce truc. We're both throwing smoke into the night. It's raining, I suppose you need a ride. She said I've got nothing to do, neither do you. There's a place down the road. On veut remonter en fait là, on s'est croisé hier. Ah eh ouais. Ok ouais. Grave chaud. Pourquoi tu regardes dans ma vie? Tu crois ouais. Que j'ai dit oh non finalement laisse tomber, je vais nager là, vous allez me retrouver là. And this is where the monastery is. So we have to go there and go back. That's what we thought, so let's just go straight, right? To or you want to go to the... You want drink at all? No, but yeah. But kind of an honor. After 2 years, I think you got some Greek genes in you. No. Hi, doggy. Which is so cute? Yeah. Which is so cute? Morning. Morning. Do you guys do any breakfast? You look pretty. Yeah, I don't. Yes, you do. I'm in a holiday. Du coup les gars, là on a mangé vite fait avec les filles et on va monter. Je vous montre le trajet qu'on va faire en fait. Attends, je vous montre. Tu comprends un peu? On va monter de là, faire ça pour arriver là ou là. I overheard that she was 19. She's got a fake ID and a nose ring. Those kind of girls tend to know things better than I do. I'm dying to figure out what she's hiding. Just playing it cool, but she's lying better than I do. De redescendre, on a fait une petite pause pour nager un peu et en fait tellement il fait beau, c'est le temps parfait, c'est le temps que je voulais pour bronzer ça et tout. Moi je vais rester sur ce petit village et les filles elles vont continuer leur traversée jusqu'à arriver où elles habitent à Castros. Je viens de bouger de mon petit
paradis sur terre. J'ai passé l'après-midi à juste dormir, bronzer et lire. C'était tellement bien. Je crois que j'ai pris un petit coup. Enfin non, j'ai un peu bronzé, j'ai pas pris un coup de soleil. C'était pas trop fort non plus, mais c'était parfait. Donc voilà, là je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je mange là tout de suite ou est-ce que je mange ce soir à Vati, à côté de la maison. Enfin de l'hôtel. J'appelle ça la maison. Oh my god. Oh my god, je me sens tellement bien dans ce pays. Hi kitty cat. Hi. You guys. Qu'est-ce que vous faites vous deux là? I know it starts with hello, and the next thing you know, you try to be nice, and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, 'cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. It's the same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell, could've walked away. But you're still here, and I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers. I just wanna take your time. Tiens bon, dans le fort. Du coup, je disais, je viens de rentrer, oula, à l'hôtel. Et bizarrement, j'ai ni wifi ni 4G, rien ne capte. Ni wifi ni 4G, y a rien qui capte, y a air, y a voilà. Donc je prends ça comme un signe. It's like bitch. À demain, vas-y. Hi guys, what's up? J'ai un peu bronzé, je suis trop contente, ça commence à se voir un peu, je crois. Alors, c'est réveillé super tôt, j'ai passé une mauvaise nuit parce que j'avais peur que le réveil sonne pas et que je me réveille pas pour ma petite croisière du jour. Donc, sincèrement, je me suis réveillée à 3h du mat, à 5h, à 6h, bref, laisse tomber. Et enfin, le réveil il a sonné à 8h, donc je me suis préparée. Je m'habille un peu chaudement parce qu'il fait froid en matin et on va partir en mer, on va faire du bateau. Du coup, c'est en mode groupe, donc c'est avec des inconnus et tout. Et puis voilà, ça a été confirmé juste hier, à la dernière minute. Je suis trop contente quand même que je puisse faire le petit beau tour parce que sincèrement, la dernière fois, c'était trop beau. J'espère que cette fois aussi, ça va être cool. I don't want to get my hopes up, but you know, I'm trying. And vamos. And then you can send us some videos and photos also. Perfect, I will. So if you want to leave your stuff, you can leave it also here. Oh, it's a small kitchen. We have downstairs. Perfect. If you need it. Yes. Only one request for the bathroom, no papers on the toilet. Yeah, sure. She got the gold hoops, proud of it. I'm in love with all of it. Ex-boy didn't get the picture, cut him out of it. I fall pretty hard, never really getting far. You make everyone look like they aren't anyone. I haven't felt a thing in
Du coup, je suis rentrée à l'hôtel, la journée était magnifique, sincèrement. Pff, on avait un groupe de malades, ils étaient trop sympas, hyper gentils. Yulia et Michalis, j'aime bien prononcer le nom comme il se doit. J'aurais très bien pu dire Georgia et Michalis, mais non. Yulia et Michalis, Michalis. Et c'était tellement sympa, on a passé une bête de journée, il faisait beau, on a nagé, on a mangé, on s'amusait, on a rigolé. Trop cool, vraiment, c'était trop cool. En plus, c'était hyper sympa. J'aurais dit, je mange pas de viande, enfin, sauf si c'est halal. Du coup, ils m'ont fait du calamar et tout. Et il y avait Lizzie aussi qui mangeait, qui était végétarienne, donc elle a mangé calamar aussi avec moi. Bref, trop bonne journée. Je vous mets tous les détails sur Instagram, donc si vous voulez passer sur Instagram, je laisse ça en Sifnos en story à une, comme ça vous aurez toutes les adresses, tous les Instagram et tout et tout. Je vous dis à demain les gars, bisous. Oh fuck. Ah, good morning guys, what's up? Alors c'est la matinée du retour, on repart à Paris. Oula, on repart à Paris, j'ai envie de pleurer, oh my god. Et tu sais, comme l'année dernière, le jour de mon retour, il fait toujours un peu gris. Tu sais, il fait pas beau. C'est comme si, genre, Lily, elle me disait, t'inquiète, il va plus faire beau. Tant que tu t'es pas là, on va plus faire beau jusqu'à ce que tu reviennes. C'est très bien que c'est pas le cas, mais bon, ça fait plaisir de penser comme ça. Vas-y, on va faire la valise. Je suis partie faire le check-out et ils m'ont offert une petite bouteille d'huile d'olive qu'ils fabriquent eux-mêmes. I'm gonna cry. J'ai même pas l'ouvrir, tu sais. J'ai même pas l'ouvrir. Là, je vais juste cleaner un peu la voiture parce que regarde, avant de la rendre, parce que des fois ils peuvent vraiment faire chier quand tu rends la voiture. Du coup, j'ai déposé la petite voiture et là j'ai pris ma valise et on va partir au port. C'est trop drôle parce que le mec qui gère le truc des voitures, c'est Karsa, si jamais tu passes, c'est Karsa. Il est égyptien, mais c'est vrai. Et du coup, il m'a dit, like, do you speak Arabic? J'ai dit oui. Clé, toi aussi? J'ai dit toi aussi. Enfin, j'ai commencé à parler. J'ai dit toi aussi, il m'a dit oui. On a commencé à parler égyptien, c'est trop cute.
side of where you left my gold rose crown. You broke down and left me with a chest hum, a black gun and $40. Chest hum, a black gun and $40. 2 weeks down and drowned myself in whiskey. Came back round and drowned out and left me with a chest hum, a black gun and $40. Chest hum, a black gun and $40.